Rendons grâce au Fils, lumière des nations. Il est nous miséricordia et nous. Il nous aima avec un cœur de chair. Il est nous miséricordia et nous. Tout vient de lui, tout est à lui. Il est nos cœurs aux affamés, aux assoiffés. Il est éternel, miséricordia eius. Miséricorde sicut pater, miséricorde sicut pater, miséricorde. Cet don de l'Esprit, il est nous miséricordia eius, source de tous les biens, soulagement le plus doux. Il est nous miséricordia eius, réconforté par lui, offrons le réconfort. Il est l'amour espère et persévère. In eternum misericordia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec voici rassemblés dans cette église Saint-Sulpice pour célébrer ensemble la fête de la miséricorde. Une semaine après Pâques et en ce lieu où se trouve disposée au fond de l'église cette porte de la miséricorde, nous sommes aussi invités à faire une expérience de miséricorde au cœur de la célébration de l'Eucharistie. Sœur Faustine disait que l'Eucharistie, c'est le trône de la miséricorde. Accueillons le pardon du Seigneur en nous rappelant notre propre baptême, cette eau vive qui nous a purifiés du mal et du péché, qui nous a fait rentrer dans cette communauté, corps du Christ, fondée par Jésus, pour attester de son nom. Ensemble, accueillons le pardon du Seigneur. Merci.
J'ai vu des fleuves d'eau vive. Alléluia, alléluia. Jaillir du côté du temple. Alléluia, alléluia. J'ai vu la source du temple. Alléluia, alléluia. Grandir en œuvre immense. Alléluia, alléluia. Tout ce que lave l'eau vive. Alléluia, alléluia. Acclame et chante ta gloire. I love the temple. Alleluia, alleluia. He brought God's life and salvation. Alleluia, alleluia. The people praying with joy. Alleluia, alleluia. J'ai vu des fleuves d'eau vive. Alleluia, alleluia. Jaillir du côté du temple. Alleluia. Ta gloire. Alléluia, alléluia. Ton cœur, Jésus, est la source. Alléluia, alléluia. D'où coule l'eau de la grâce. Alléluia, alléluia. I saw water flowing. Alléluia, alléluia. From the right side of the temple. Dieu Tout-Puissant nous purifie de tous nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume, lui qui règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen. Chantons la gloire de notre Dieu. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Toi qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlève le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria in excelsis Deo.
toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le très bon Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo. Seigneur, Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Jérusalem, par la main des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants, d'un même cœur, se tenaient tous sous le portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. De plus en plus, des foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places en les mettant sur des civières et des brancards. Ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l'un ou l'autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Parole du Seigneur. Les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de gloire. Misericordia Domini, in eternum cantabo. Misericordia Domini, in eternum cantabo. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu le Seigneur nous illumine. Misericordia. Lecture de l'Apocalypse de saint Jean. Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait : ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M'étant retourné, j'ai vu sept chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Mais il posa sur moi sa main droite en disant : ne crains pas, moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. Parole du Seigneur. Amen.
Victime et Pascali laudes, immolent Christiane, Agnus redemitores, Christus innocens patri, reconcilia vit, peccatores. Mors et vita duello, conflixere mirando, dux vite mortus, regnat vivus. Dignobis Maria, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans m'avoir vu. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : La paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.
ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce dimanche de la miséricorde, voici que l'Église nous propose de contempler ce geste que lui-même va accomplir au milieu des siens, d'abord vis-à-vis des apôtres qui sont réunis autour de lui, et ensuite plus particulièrement vis-à-vis de Thomas. La miséricorde du Seigneur s'éclaire à travers ce témoignage. D'abord celui de Thomas. Thomas, qu'on appelle l'incrédule, puisqu'il émet un doute face à l'attestation des autres apôtres qui ont vu le Seigneur, qui s'est manifesté à eux en leur disant « La paix soit avec vous » et en leur montrant les plaies de son côté et de ses mains. Thomas va faire une expérience tactile de la miséricorde. Jésus lui dit, touche mes plaies,
mets ta main dans mon côté, de ce côté qui a été transpercé par la lance romaine, et d'où, nous rapporte Jean chapitre 19, ont jailli le sang et l'eau. En quelque sorte, Jésus invite l'apôtre Thomas à lui-même pénétrer dans son cœur, à la racine de son être. C'est une expérience d'intimité que Jésus propose à ce disciple qui ne croit pas encore. Mets ta main dans mon côté. Et de cette expérience jaillit ce cri, cette attestation de Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu », comme si la foi de Thomas naissait de l'expérience de la miséricorde, le fruit de la miséricorde qu'il touche de près en touchant le Christ et son cœur miséricordieux, c'est de faire jaillir la foi, c'est de faire éclore la foi. La foi qui est un don de Dieu, mais qui naît d'une rencontre intime avec Jésus. On pourrait dire comme d'une intrusion à travers le cœur de Jésus dans le mystère même de la Trinité qui s'entr'ouvre par cette plaie ouverte. Cette plaie, cette blessure qui est devenue stigmate, c'est-à-dire traversée par l'amour, vainqueur de la mort. Jésus n'a voulu être touché que par ses plaies. C'est l'expérience que nous faisons à chaque Eucharistie. Le pain que nous consommons, c'est un pain qui est rompu, c'est-à-dire brisé. Le sang que nous consommons, c'est un vin qui a été répandu, un vin nouveau, celui de l'amour, répandu après avoir été pressé par la croix au calvaire. Nous aussi, dans l'expérience de l'Eucharistie, qui est la source, le fruit, en même temps de la miséricorde du Seigneur, nous touchons le Christ par ses plaies. Je reviens de Syrie, où je me trouvais pendant une semaine. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est de voir la beauté émaner souvent de la brisure. Ces belles icônes dont les visages ont été rayés, parce que sans doute ces agresseurs ne pouvaient pas supporter la douceur et le regard perçant. Et le regard du Christ qui s'exprimait à travers elle. Et ces églises étaient éventrées. Les obus ou les tirs de missiles avaient percé les toitures et défoncé les murs. Et j'ai eu l'occasion de célébrer dans ces églises mutilées, martyrisées tout autant que les hommes, l'Eucharistie. Et c'était beau et grand de voir aussi que le mystère du Christ passait à travers les brisures que l'on voulait et les blessures que l'on voulait donner à ses édifices, à son Église. Oui, le Seigneur vient nous rejoindre à travers nos failles, à travers nos blessures, à travers nos cassures. Il s'approche de nous non pas à partir du versant par lequel nous nous sentons souvent reconnus aux yeux des hommes, nous nous sentons bien, mais le plus souvent à travers nos pauvretés, à travers nos misères. Jésus vient nous rejoindre à partir de ce qui est cassé en nous. C'est cette même expérience que nous faisons lorsque nous voulons nous approcher de la miséricorde divine. Le Seigneur se manifeste à travers ses plaies. Le Seigneur vient nous rejoindre à partir des nôtres.
Et c'est la raison pour laquelle, en cette année de la miséricorde, nous sommes invités à venir le retrouver dans le sacrement de la confession, où l'amour offert du Christ, cette vie livrée pour le salut de tous et qui est passée en son Église, vient se déployer en nous sur les parts, les portions de nous-mêmes assombries par le péché, nos ruptures d'alliance, tout ce qui en nous manque à l'amour, mais que le Seigneur vient rejoindre, guérir, apaiser, reconstruire. Le récit de l'Évangile nous met en contact avec la source de la miséricorde. Nous plongeons, comme Thomas, dans l'intimité du Christ. Mais en même temps, dans ce récit, nous voyons que la miséricorde, elle naît du contact intime avec Jésus, mais aussi qu'elle se déploie en mission, en évangélisation. Les disciples, lorsqu'ils voient leur maître vivant, sont appelés par celui-ci à devenir des témoins. Nous avons vu le Seigneur. Et celui-ci va leur dire, en ayant répondu sur eux son esprit, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. L'expérience de la miséricorde, elle est pascale, mais aussi pentecostale. En montrant son cœur, Jésus aussi, à la source de cette miséricorde, veut que nous recevions, comme ses premiers disciples, le don de l'Esprit Saint. Et l'injonction qui leur est faite, recevez l'Esprit Saint, vous remettrez les péchés. Immédiatement, il les envoie pour devenir des apôtres de la miséricorde. Ils ont vu le Christ dans ses plaies qu'il leur montre et ils deviennent des héros de cette miséricorde en remettant le péché, en donnant la grâce de Dieu. Oui, le Seigneur nous invite, ayant fait l'expérience de la miséricorde, à pouvoir la déployer tout autour de nous et à rejoindre nos frères et sœurs à travers le pardon de Dieu. Mais commençons par nous-mêmes. Commençons au sein de nos familles, au sein de nos communautés, à devenir des ambassadeurs du pardon, des témoins du pardon, à nous pardonner à nous-mêmes aussi et à pardonner aux autres. Il y a 2 ans, j'ai accueilli un jeune qui était d'origine vénézuélienne et qui avait la nationalité française dans mon évêché. Je l'avais connu quelque temps auparavant dans un rassemblement en Espagne où je faisais les prédications, et ce jeune m'avait dit qu'il aimerait approfondir sa rencontre avec le Christ. Sa vie avait été très difficile. Et il m'a dit, j'aimerais un jour vous retrouver. Un jour, il prend de nouveaux contacts avec moi. Et je l'invite à venir chez moi, à l'évêché, entouré de quelques personnes qui vivent dans mon évêché, qui forment comme une fraternité autour de l'évêque. Et lorsqu'il est venu, il m'a dit, vous savez, il s'appelait Léonce me dit, vous savez, je viens de découvrir, j'ai un cancer du pancréas. J'ai peu de jours à vivre. Mais si je suis venu vous voir, vous ayant connu en Espagne, c'est parce que je me rends compte qu'il faut que je mette de l'ordre dans ma vie. Et ce que je voudrais, m'a-t-il dit, c'est avant de mourir, de me réconcilier avec Dieu. Au terme de ma vie, les péchés que j'ai pu commettre, que je considérais comme bénins, deviennent de plus en plus graves. Et je les vois aujourd'hui comme mortels. Et je voudrais vraiment
me confier à Dieu afin de le voir face à face. Je l'ai accueilli quelques jours et je ne pouvais plus l'accueillir. Il nécessitait une médicalisation et d'être accueilli dans un hôpital, une structure. Il est mort quelques jours après. Et j'avais été frappé par cette rencontre. Il voulait, au terme de sa vie, faire vraiment l'expérience de la miséricorde. Au bout du compte, il se rendait compte lui-même que sans la miséricorde, sa vie était un gâchis. Oui, nous avons besoin de recevoir et de déployer autour de nous la miséricorde. C'est un mouvement, c'est un dynamisme qui nous entraîne hors de nous-mêmes et qui nous invite, comme les apôtres, à pouvoir rejoindre notre humanité dans ce qu'elle porte de plus fragile, rejoindre les êtres les plus petits et les plus pauvres autour de nous. Pas simplement les pauvretés matérielles, morales, les pauvretés humaines, les pauvretés affectives, toutes ces pauvretés qui sont sur notre route et que le Seigneur veut que nous investissions pour libérer en nous ce que nous avons reçu du Christ, sa miséricorde. Notre seule richesse, c'est de compter sur la grâce de Dieu. Notre seule mission, c'est de la donner autour de nous, sans compter. Le reste n'est que superflu. Ramenons-nous à l'essentiel. Nous sommes infiniment aimés par Dieu et nous sommes redevables de cet amour vis-à-vis de nos frères et sœurs en humanité. Soyons des icônes de cette miséricorde dont le monde a tellement besoin. C'est le message que nous recevons du Christ et de son Église. C'est le message que nous célébrons en ce jour, entouré du témoignage des grands saints de la miséricorde. Bien sûr, Jean-Paul II, qui est mort à la veille du dimanche de la miséricorde, Sœur Faustine, Claude de la Colombière, Sainte Marguerite Marie, tous ceux qui, à travers l'histoire de l'Église, nous rappellent que sans miséricorde, le monde ne peut plus vivre. Demandons la grâce et aussi la joie de participer à ce témoignage de la miséricorde. Amen. Ensemble, confessons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique, en la communion des saints, en la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette année de la miséricorde, confions-nous les uns les autres
au Christ qui vient nous sauver et nous apporter, comme aux disciples, la paix de Dieu. En cette année de la miséricorde divine, et particulièrement en ce dimanche de la miséricorde, prions pour notre pape François, les évêques et tous les prêtres. Seigneur, donne-leur ta lumière et ta force pour annoncer au monde ta miséricorde. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute. Seigneur, donne-leur la joie d'être chrétiens, qu'ils deviennent à leur tour apôtres de la divine miséricorde. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Prions pour nos dirigeants politiques. Seigneur, éclaire-les afin qu'ils respectent la loi de Dieu et prennent soin de toute personne, de la conception à la mort naturelle et de la famille. Qu'ils rejettent toute injustice et discrimination et se mettent au service des plus vulnérables et des exclus. Dans ta miséricorde, tu as dit qu'en ce jour de la miséricorde, les sources divines par lesquelles se répandent les grâces sont ouvertes. Prions pour tous ceux qui t'ignorent ou te rejettent, pour ceux qui se moquent de toi ou cherchent à t'éliminer. Qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de toi. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Prions pour l'humanité tout entière, pour tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, pour les personnes abandonnées, isolées, les prisonniers et les agonisants, les chrétiens persécutés et les pays en guerre. Seigneur, que cette fête de la miséricorde leur apporte consolation et espérance. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Prions pour nous-mêmes qui implorons la miséricorde de Dieu. Seigneur, aide-nous à devenir, à la suite de Saint Jean-Paul II, de Sainte Faustine et du bienheureux Michel Sopotchko, des instruments de ta miséricorde et à en témoigner dans la joie auprès de nos frères. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Seigneur Tout-Puissant, de ton cœur transpercé, jaillissent des flots de miséricorde. Répands cette miséricorde sur l'humanité tout entière, sur ton Église, sur tous les hommes de tous les temps, pour qu'ils découvrent par cette miséricorde le vrai visage du Père. Nous te le demandons à toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La quête de cette messe sera réparti entre la paroisse Saint-Sulpice et l'Association pour la miséricorde divine. Attention, si vous souhaitez faire un chèque, le Père Jean-Loup Lacroix,
curé de la paroisse Saint-Sulpice, demande que l'échec soit établi à l'ordre de pour la miséricorde divine. Je répète, l'échec doit être établi à l'ordre de pour la miséricorde divine. Merci de votre générosité. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, donne-nous de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques et continue en nous ton œuvre de rédemption qui nous soit une source intarissable de joie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde.
En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Chantons et proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André, ton serviteur Dominique qui préside cette Eucharistie et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ceux et celles que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans un même esprit, nous redisons la prière que Jésus nous a léguée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta parole. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne et la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, Père des
Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu.
Prions le Seigneur.
Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, vous pouvez vous asseoir, je vais vous donner le programme. Je voudrais avant tout remercier Monseigneur de rester avec nous pendant ces deux jours de la miséricorde divine, en ce jubilé de la miséricorde divine. Vous savez que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que le Christ a voulu cette fête et la jaillie de ses entrailles. Voilà ce qu'il a dit à Sainte Faustine. Le pape Jean-Paul II l'a institué et il est décédé en la fête de la miséricorde divine. Voilà quel bon signe Dieu nous fait. Merci Monseigneur pour votre homélie et nous aurons tout à l'heure l'enseignement. Alors là, on n'aura peut-être plus assez de temps pour l'adoration puisqu'à 15h nous allons faire l'heure de la miséricorde divine. À 15h15, il y aura la procession du Très Saint Sacrement. Et ensuite, à 15h30, ou dès que la procession est finie, nous aurons l'enseignement de Monseigneur Ray. Et après, il y aura la vénération des reliques. Merci de ne pas arriver pour la vénération sur les côtés, puisqu'il faut laisser les gens repartir. Tout le monde pourra toucher, vénérer, embrasser les reliques. Ne vous inquiétez donc pas. Et surtout, je vous invite à rester avec nous après, puisque nous allons faire une belle louange. Hier soir, nous avons eu une magnifique veillée, finie par une petite farandole. Aujourd'hui, on voudra en faire peut-être une plus grande, puisque nous étions et nous sommes dans la joie, puisque nous sommes enfants de Dieu et nous avons toutes les raisons pour être joyeux. Alors, sachez que l'association organise chaque premier vendredi du mois dans cette église Saint-Sulpice. Donc, c'est chaque premier vendredi du mois. Alors, si vous êtes triste ou découragé ou fatigué, vous êtes bienvenue pour venir vous reposer sur le cœur de Jésus. Nous vous donnerons des tracts. Hier soir, dans son homélie, Monseigneur nous a dit que la plus grande charité, c'était de faire connaître Dieu à ceux qui ne le connaissent pas. Alors, un ami, membre de l'association, a pris en charge l'impression de ce dépliant. Ils sont gratuits. Il faut annoncer le Seigneur, il faut partager la bonne nouvelle. Il ne s'agit pas, bien sûr, de les donner dans les églises, puisque nous sommes là, donc nous croyons en Dieu. L'important, c'est de les donner dans le métro, dans la rue, dans le train, là où vous rencontrez des gens. Donc, ces dépliants seront à votre disposition, au fond, à côté du stand. Mathieu me dit que tout est enregistré, donc les CD seront disponibles au stand avec les CD et pendant l'adoration. Le stand va être fermé, ainsi que pendant l'enseignement de Monseigneur Ray. Voilà, on vous souhaite toute l'équipe. Alors, je voulais aussi beaucoup, beaucoup remercier toute l'équipe qui s'est mobilisée de tout leur cœur pour que tout se passe bien. Et bien sûr, j'oublie la chorale, mais ils nous ont fait prier magnifiquement. Je pense que nous pouvons les applaudir. C'est la troisième année qu'ils sont avec nous. Merci Fabienne. Merci à tous les choristes. Et gloire à toi, Seigneur, belle fête de la miséricorde. Il y a des confessions, donc vous pouvez profiter de vous confesser.
je vais appeler sur vous la miséricorde du Seigneur. Et après cette bénédiction, nous nous confierons les uns les autres à la Vierge Marie, Mère de toute miséricorde, à travers cette icône de Schoenstatt qui est présente. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfant du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Alors toutes les personnes qui veulent se consacrer à la miséricorde divine ou qui souhaitent renouveler leur consécration sont invitées à se présenter devant l'autel. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. La démarche que je vous propose, elle part de trois verbes qui caractérisent la miséricordieuse présence et maternelle présence de Marie. Marie, en son annonciation, elle s'est ouverte à la miséricorde, il s'est penché sur son humble servante. C'est ce geste d'ouverture des bras et du cœur qui le signifie. Ensuite, Marie, elle s'est offerte. Son cœur a été transpercé d'un glaive au moment de la crucifixion et ce geste des mains l'exprime. Et puis Marie, au Cénacle, c'est elle qui dans sa foi et dans sa prière porte la communion de l'Église en elle, autour de Jésus par la puissance de l'Esprit. Donc je vous propose simplement d'exprimer ces trois gestes à travers le mouvement de nos mains qui expriment notre prière. D'abord, s'ouvrir à Dieu. Seigneur, comme Marie, ouvre-nous à ta miséricorde. Donne-nous de l'accueillir au plus intime de notre être, afin de te dire, Fiat, oui, je veux te suivre. Marie, au pied de la croix, en la crucifixion de ton Fils, tu t'offres. Ta présence est un oui silencieux à l'amen de Jésus, au Père. Et tu vois comme le disciple bien-aimé, ce cœur transpercé, répandre l'eau et le sang, ce cœur miséricordieux. Oui, Seigneur, comme Marie, nous nous offrons avec toi, à toi, avec tout ce que nous sommes, tous nos désirs. Et puis Marie, nous voici avec toi au Cénacle,
et en nous donnant la main les uns aux autres dans cette chaîne de fraternité que nous formons au sein de cette Église qui est notre famille, nous exprimons que nous voulons vivre une unité qui se trouve dans le Christ et nous nous donnons la main pour signifier cette communion. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Vierge Marie, apprends-nous à nous ouvrir à Jésus, à nous offrir à Jésus et à nous unir les uns les autres en Jésus. Amen. Amen. Très miséricordieux Jésus, votre bonté est infinie. Les trésors de vos grâces sont inépuisables. J'ai confiance en votre miséricorde qui dépasse toutes vos œuvres. Je me consacre totalement et sans réserve à vous, afin de vivre et de tendre à la perfection chrétienne dans les rayons qui jaillirent de votre divin cœur transpercé sur la croix. Je désire propager votre miséricorde en accomplissant des œuvres spirituelles et corporelles de miséricorde, et particulièrement en convertissant les pécheurs, en aidant les pauvres, en pensant à les affligés, les malades, en priant pour les agonisants et les âmes qui souffrent du purgatoire. Pardonnez-moi, car de votre propre gloire, je crains toute ma faiblesse, mais en même temps, au bon rire de votre imprésable miséricorde. Arrête ! En être l'abîme insondable de votre miséricorde, avoir confiance en toute sa et la glorifier ici-bas et dans l'éternité. Amen. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La vie a détruit la mort. Christ est ressuscité. Criez de joie. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Vous les anges, louez-le. Exultez depuis les cieux. Tous les vivants, louez Dieu. Christ est ressuscité, Jésus. Amen. Criez de joie. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre sa vie. Louez Dieu dans sa grandeur. Louez Dieu notre sauveur. Son
Seigneur, Christ est ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous redouvre sa vie. Accueillez dans votre cœur Jésus-Christ, l'agneau vainqueur. Il est le chemin, la vie. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre. De joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie.